mon perso. Oh! 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 Incroyable! Vidéo invocation sur l'unité Veto, en sachant que j'ai déjà invoqué sur le frérot Ria. Et pour le moment, je les drop. Je vais faire un showcase quand je lui montrerai le level 100. Je les drop avec sa carte en plus. Là, on va partir sur Veto. Parce que, comme je l'ai dit hier, même s'il faut pas, je vous ai conseillé de ne pas invoquer moi pour le connu, je suis obligé. Et je vais faire un peu plus de 5 multi, quelques singles, si j'ai pas de bêtises. C'est ça, 5 multi. Et quelques singles, et on va invoquer dessus. Si on arrive à le drop, tant mieux. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Alors, n'oublions pas que il faudra économiser pour les portails saisonniers qui vont arriver prochainement. Et vous allez voir que les persos sont totalement bullshit. Ok. Alors. Let's go. On part invoquer sur ces deux unités. Enfin, sur Veto. Que vaut la bête? Que vaut la bête? Let's go. J'arrive à le drop en 5 multi, ça serait pas mal. Ok. Ok, bon. Oh, fake out! Incroyable. Incroyable. Si je drop dès le début, c'est pas mal. Ok. Je pense pas, je drop une carte. Du coup, je drop sa carte là. Non. N'oublions pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Ouais, du coup, c'est forcément une carte. Et là, elle va apparaître maintenant. La carte d'un perso que je n'ai pas et qui plus est nulle. Ok, bon, on peut skip. On peut skip. L'unité n'est pas forte. C'est pas intéressant. Et la carte, encore moins. Ok. Parti. Deuxième métier. Allez, ouvre ton œil. En plus, elle a la sacoche. Dommage. Dommage, deuxième métier. On peut skip. On peut skip celle-là. Oh, c'est pas ouf. C'est pas ouf pour ce début-là. Ok. Encore 3 multi les amis. Ok, portail en or. Elle est en robe, ok. Oh. Dommage. Dommage. Par contre, doublon de funérailles et Vanessa. Ok, c'est pas mal. Allez, on enchaîne. Encore portail en or. La sacoche. Yes! Allez, dis-moi que c'est le bon perso. Dis-moi que c'est le bon perso. Oh! 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 Incroyable! 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 Double carte là? Non, pas double carte. Non, mais dis pas que c'est une double. C'est une invocation avec deux cartes. Yes, mais on prend. Lotus, c'est sa carte. Let's go. Sa deuxième carte. Du coup, la deuxième carte, c'est quoi? Ok. Ça va arriver à la fin, du coup. Encore un perso que j'ai pas. Oh, c'est incroyable. Un perso que j'ai pas. Par contre, la carte de Lotus, on prend. On prend tous les jours. Dernière multi. Let's go. Ça sent pas bon. Dommage. Dommage pour la dernière multi. Dommage. Du coup, 5 multi pour 2 cartes SSR. C'est dommage. On fera une deuxième partie on fera une deuxième partie sur le perso pour voir si on sera un peu plus chanceux. Par contre, on prend. Je dis qu'on allait terminer jusqu'à la fin. Ok, portail en or. Dommage, on skip.
Y a pas de fake out. Ok, encore trois petits singles, on va voir si on va être chanceux. Bon, je pense que là on peut skip. Ça on skip. Ça on skip fort. Ok. Allez, on continue. Ah, dommage. Ouais, pas de fake out. Dernière single. Let's go. Il y en a qui drop en single, n'empêche. Hein. Il y en a qui drop en single. Hein. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Un perso, du coup. Et bon. Dans tous les cas, on fera encore 6 multis sur le perso. Et après, on va commencer à stack pour justement les futures unités. Surtout pour le portail saisonnier. Qu'on essaiera de faire au minimum 2 pitchis. Sur ce, on fait un petit tour de box. On va équiper la carte du frérot Lotus. J'avais équipé un peu n'importe comment parce que j'avais pas les bonnes cartes. On va commencer à le up après, hein. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Du coup, il est là, le frérot. J'ai pas tardé à faire un truc là-dessus. Je le up et après on verra. On verra ce que ça va donner. Et let's go. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Sur ce, je vous dis ciao. À la prochaine.